Chers tous, bonjour Cash en ce lundi 28 octobre 2024. Je reviens de là-bas, Carrefour de la Paix, en passant par l'école turco-gabonaise et l'école privée catholique ici de l'archidiocèse de Libreville. Je poursuis mon chemin, ce n'est pas la première fois que j'arrive ici. Hein. Vous voyez, tous ceux qui sont ici sont prisonniers des eaux. À la base, la canalisation qui n'est pas aux normes aussi. Regardez ces villas. Les occupants de ces villas sont pris en otage par les eaux. Ce qui sert de trottoir, c'est de faire l'équilibre là, en s'accrochant sur les moyens de fortune qui ont été mis là par les rivières. Cette situation ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'il y a belle lurette. Et le plus grave, c'est cette voiture. Ouais. L'occupant de ce véhicule a tous les problèmes en ce moment. Cette route est morte. Vous faites le tour pour ressortir dans la zone dite du fameux restaurant, c'est le repère, le délectable, la route aussi est morte. Mais savez-vous quoi? L'ironie du sort, c'est que celui qui a défendu ce système de gouvernance, évidemment son armée sur la toile, les adeptes des raccourcis, ceux qui ont bu l'eau du l'été, ceux qui le défendent jusqu'au bout, j'espère qu'ils vont vraiment le défendre jusqu'au bout, parce que le temps est encore long. Ils ne viendront pas pour dire, ah, on ne savait pas ce qu'on disait. J'espère qu'ils vont vraiment aller avec lui jusqu'au bout. Celui qui défendait ce mode de gouvernance, c'est lui qui, lorsque les riverains se plaignaient, venait devant le pupitre dire que la démocratie, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Lesquels réseaux sociaux? Enfin, il a campé, lui et ses adeptes. Hein. Aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux. Il disait non, un pays, une démocratie ne se construit pas sur les réseaux sociaux. C'est Rastignac, le sophiste mégaphone de la cacophonie. Il habitait juste derrière. Tous ceux qui sont ici le savent. Il était porte-parole de la présidence, porte-parole du gouvernement. Imaginez que ce soit lui, parce que c'est comme ça. Imaginez qu'il vienne dire non, les enfants pour aller à l'école, ceux qui travaillent ici, ceux qui ne sont pas véhiculés ou ceux qui sont même véhiculés, les Gabonais souffrent et pour cause les taxis n'arrivent plus ici. Imaginez l'ironie du sort. Et certains de dire, ah oui, même si on n'aime pas Billy Binze, mais il dit quand même la vérité, il a parlé de ça. Une situation dont ils sont comptables. C'est-à-dire, lui qui défendait l'indéfendable. Il est celui qui disait des choses parce qu'on lui disait de dire. Lui qui n'a jamais pris parce qu'on lui disait d'aller prendre. Et lui qui ne savait pas parce qu'on lui disait qu'il faut savoir ça. C'est ce qu'il dit maintenant. Comment peut-on se retrouver dans ça? Ça, c'est avant le 30 août. Mais moi, Chambala Moukouama, ce n'est pas aujourd'hui que je vais filmer ça. Hein. J'ai filmé ça il y a longtemps. Et qu'est-ce qui se passait? Quand je faisais des reportages, quand ça passait à mon émission à la télé, sur la chaîne nationale, ce n'était pas écrit. Hein. Non, on appelait, on dit, le reportage là ne repasse plus. Moukouama veut montrer quoi? C'est un opposant. Voilà. La censure. Il était l'un des censeurs, celui qui habitait de l'autre côté. Il ne fallait surtout pas parler de quelque chose qui se rapprochait de lui. Il se sentait attaqué parce qu'il n'aime pas la contradiction. C'est pour cette raison que je dis que c'est Rastignac, arriviste. Arrivé Premier ministre, il s'est dit que son tour est arrivé. Il peut être président, c'est normal qu'il rêve être président, et peut-être même assurer à ce clan qui était le club des architectes de la destruction du Gabon que je veux préserver vos intérêts. Sophiste parce que tout ce qu'il dit est creux. Mégaphone de la cacophonie parce que c'est lui qui relayait la mauvaise gouvernance. Il était payé pour ça, il ne faisait pas du bénévolat. Alors, quand je dis transition cache de nos mentalités, c'est de cela dont il est question. Tous les enfants qui vont à l'école ici, c'est la galère. Il y a eu simplement quelques petites pluies hein, hier soir et ce matin. Et c'est comme ça. Mais attendez les grandes pluies et vous allez voir. Ceci dit, Gabonais, Gabonaises, ne donnez pas raison à ceux qui sont autour de nous, hors du Gabon, qui disent que, on dirait que les Gabonais ne savent pas ce qu'ils veulent. Hein? Cette route doit être restaurée. Et au CTRI qui est attendu pour restaurer cette route, au moins, ça a le mérite de démontrer que Billy Binze était un manipulateur. Il habitait non loin d'ici. Je n'ai pas dit qu'il était ministre des TP, les adeptes des raccourcis, encore moins ministre de l'Habitat. Mais il défendait quoi? Il portait la parole de quoi? S'il n'arrivait pas à relayer les doléances de ses voisins.
quand il habitait là. Ça, ce n'est pas du tout cash. Allez, bon début de semaine. Cash.